Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la dernière page. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors comme je vous disais, j'ai collé la carte ici sur le rabat. Et puis ici, j'avais mis mon aimant au préalable avant de mater ma carte, mettre le papier derrière. Et puis là, ma carte, je l'ai fait arriver tout juste sur le contour des rabats de l'accordéon. Alors on voit une petite bordure, ça va. Excusez. Alors voilà, ça ouvre comme ceci. Très solide, j'ai mis des aimants 8 mm, puis puisque j'ai du papier quand même pas trop épais. Lui est assez épais, mais lui, il est beaucoup moins. Alors, ça ferme très bien. Alors, ici, comme ceci. J'ai mis une petite carte ici, arrondie le coin. Un espace si on veut mettre une photo, mais bon. Ça peut être, peut-être que je vais mettre une décoration, j'ai pas décidé encore. Et puis, alors on ouvre comme ceci. Alors, vous voyez ici, j'ai maté tous les hauts des cascades. Et puis, tous les intérieurs... Où est-ce qu'il y a les bandes de collage? Je les ai matées avec un autre papier. Le haut et le bas, c'est la même chose. Alors, vous avez ceci. Fait ça. Joli! J'aime ça. Ça fait surtout beaucoup d'espace photo. Alors, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On compte celle-ci, mais bon. Sinon, 9 espaces photo de pleine page ici. Même que lui, il est plus grand encore. Plus une grande photo ici. Bien, deux petites, comme on veut. Ou une moyenne avec du journaling. Alors, la personne fait ce qu'elle veut. Ici, je m'aperçois que j'ai oublié de mater l'intérieur. Alors, je vais mater ça plus tard. Alors, c'est ce que ça donne comme page, finalement. Alors là, on a toutes les pages terminées. On a travaillé fort pour faire ça. Hein? Oh, mon Dieu! Plusieurs journées pour moi, parce que je peux faire souvent passer 2 heures à mater juste une page. Alors, beaucoup, beaucoup de travail à cause des incrustations. Alors, il faut aimer ça. Faire les incrustations parce que c'est beaucoup de travail. Puis quand vous montrez votre album, ben, insistez, montrez à la personne de garde tous les petits morceaux que j'ai mis ici parce que c'est là qu'il y a beaucoup de travail. Alors il faut vraiment que la personne porte attention. Alors on a toutes les pages. Là, vous allez vérifier si on aurait pu le faire avant. Mais moi, je l'ai fait avant de faire la dernière page, cette dernière ici, à savoir si les pages se glissent bien. Alors, si vous suivez le même ordre de pages que les miennes, alors vous allez voir que ça glisse bien, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui accroche. Donc, on peut garder cet ordre-là. OK? Alors, je mets ça de côté. Là, maintenant, on fait la couverture. Alors, la couverture, j'ai la cartonnette 1 mm d'épaisseur, assez rigide. Alors, si vous avez dans vos morceaux un petit bombé qui se fait, alors assurez-vous que le bombé soit vers l'extérieur. Alors, si vous en avez un qui est tout de suite extérieur sur le côté qui fait un petit bombé. Okay? Moi, les cartonnettes que j'ai ici, je dirais que 0 bombé. Alors, une belle qualité de cartonnette. Alors, j'ai 2 morceaux. Alors, premièrement, j'ai calculé. Alors, si on remesure la page, alors la hauteur en centimètres, j'ai un peu moins que 20. Alors, j'ai 19,5. OK? La largeur, j'ai 16,5. En pouce, on a 7 3 quarts et puis 6 et demi. Okay? Alors ça, c'est les pages. Alors moi, j'ai calculé, je calcule toujours que ma page va arriver à peu près en bas, à 2 mm près. Alors, vu que c'était la hauteur de mes cartonnettes qui mesurent 21,6 par 28, j'ai décidé de garder le haut complet. Alors, je ne vais pas pour autant centrer mes pages parce que quand on met l'album debout, les pages font ça, puis j'aime pas. J'aime mieux quand ça touche petit peu par terre, sur la table. Alors, pour la hauteur, si vous avez du A4, c'est parfait. Vous gardez le 21, vous en avez amplement. Et si on enlève 6 mm ici, vous avez amplement de jeu. OK. Pour la largeur, alors, il faut se garder l'espace ici pour le système de reliure. Alors, moi, je vais prendre certainement 2 cm. Peut-être 2 ou 3 mm de moins, je vais voir. Mais les pages sont quand même assez épaisses. Bon, si on regarde ici, puis bon, les pages sont... Celle-là, la dernière, regardez, celle est épaisse. Il y a beaucoup de goussets. Alors, je vais me garder 2 cm entre chaque page. C'est-à-dire pour la hauteur. Alors, je vais garder 2 cm pour la hauteur du système de reliure. Et puis, donc, j'installe ma page ici à 2 cm. Puis, il me reste tout ça ici. Alors, on a besoin un peu d'espace parce qu'on a une carte. N'oubliez pas, on a une carte qui entre ici dans la page pochette. Alors, il faut qu'il y ait de l'espace pour qu'elle dépasse. Okay? Ça fait plus joli si on peut les voir. De toute façon, on aurait beaucoup trop de difficulté à aller la chercher si elle était à l'intérieur, parce que n'oubliez pas que, ben, si c'est votre cas aussi, mais moi, dans mon cas, j'ai utilisé du papier cartonné 300 grammes.
ou 110 livres, alors ça fait que les pochettes sont raides. Alors ça prend facilement, là, faut que ça soit facile à aller chercher. Alors c'est pour ça que je me suis gardé un autre 2 cm. Alors j'ai 4 cm de plus large, donc j'ai 20,5. Alors j'avais 16,5, là j'ai 20,5 en pouces. Alors j'ai gardé, j'avais 6 pouces et demi, là j'en ai 8, donc j'ai 1 pouce et demi de plus. Okay. Pour ce qui est de la hauteur, j'ai 8 pouces et demi aussi. Est-ce que ça voudrait dire que mon album est... Non, j'ai 8 pouces. Alors, j'ai 8 pouces d'en bas, 8 pouces et demi. Donc, il est un petit peu plus haut. Parfait. Et puis, en centimètres, alors on a 21. Moi, j'ai 21,6. Alors, si vous avez 21, pas de problème. Et puis, j'ai 20,5 pour la largeur. OK? Alors, deux morceaux comme ça. Pour la tranche, on va le calculer tout de suite pour le couper. Alors, j'ai été chercher des chutes que j'avais. J'avais 2 ou 3 choix. Je suis allée avec le plus large parce que les pages sont quand même assez épaisses. Alors, j'aime bien garder un bon espace entre les pages. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a des interactions à faire aussi dans les couverts. Alors, une page comme ceci, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on devrait faire comme espace entre nos pages. Alors, ici, ici, ici. Ça, c'est tout ensemble ici. Okay. Alors, le centre est ici, ici, c'est ici. Alors, moi, je me trouve à avoir, je crois que j'ai 3 ici. Est-ce que j'ai 3 là? 3. Est-ce que j'ai 3? Oui, facilement 3 cm entre chaque page, du centre d'une page au centre de l'autre. Alors, de centre à centre, 3 cm. Alors, ça, on se souvient de ça, parce que quand arrivera le temps de faire notre système de reliure, il faut se souvenir qu'on a décidé qu'on avait 3 cm entre chaque page. OK? Alors, je mets ça de côté. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des bandes 1 pouce ou 2,5 cm, des bandes pour faire le tour. Alors, vous en avez besoin de 6 à 7, mais moi, bon, j'en ai un petit peu plus parce que j'avais des chutes. Je disais aussi bien les faire tout de suite. Alors, toutes des bandes avec une ligne de pliure en plein centre, idéalement. C'est pas, vous n'avez pas besoin de mesurer, là, que ce soit approximatif. Alors, une ligne bien droite. Alors là, il faut savoir qu'on a notre album n'est pas exactement carré. Alors, on avait dit qu'on avait 8 cm de large et 8, c'est-à-dire qu'on avait 8 pouces de large et qu'on avait 8 pouces et demi de haut. Alors, faites vos flèches avant qu'on oublie. En même temps, bien, vos flèches seront faites pour le sens du papier design, etc. Alors, moi, j'en ai fait un d'avance, mais j'en fais un avec vous. Alors, vous avez vos bandes ici. Alors, la ligne de pliure, vous allez trouver à faire un pli au centre. Alors, n'allez pas plier avec votre plioir. Alors, on ne veut pas plier comme ça. Ça va craquer votre papier. Alors, je recommande du papier entre 220 et 250 grammes pour faire la reliure. Alors, plus épais, ça craque. C'est trop épais, c'est difficile à plier. Plus mince, bien, ça risque de ne pas être assez solide. Alors, je recommande vraiment... entre 200, moi j'ai 216, ça vous donne une idée, alors entre 216 et 250. Alors vous allez prendre une bande, vous allez biseauter le bout, alors là je vais encore faire de la répétition, mais bon, comme je dis toujours, si c'est une nouvelle personne qui débute le scrap, qui regarde mon tuto, elle veut apprendre, alors il faut que j'explique au complet. Alors ici j'ai ma bande, j'ai biseauté mais pas tout à fait jusqu'au bout, comme vous voyez ici, j'ai gardé environ 2 mm au bout ici, alors 1,5 à 2 mm, 1 mm c'est un petit peu serré. Ça, c'est pour couvrir l'épaisseur de nos cartonnettes. Alors, j'ai biseauté ceci. Je mets la colle en bas ici pour coller ma cartonnette. Alors, environ la longueur de ma cartonnette. Si j'en ai pas assez, je vais en ajouter. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Puis, on va... Là, je vais le faire dans ce sens-ci parce que je vais être dans le même sens que l'autre que j'ai fait. Alors, on va arriver tout juste le papier... la bande ici, tout juste sur le côté. Puis on s'assure que notre pli soit le long de la cartonnette. On presse bien fort. On met ça de côté. On prend une autre bande. On fait encore le même biseau. On met la colle de ce côté-ci. Pour le morceau du bas. Ici. Parfait. Jusqu'au bout, qu'on est quand même amplement. Alors, on va faire la même chose. On va l'installer tout juste au bout ici. Puis, on s'assure que notre pli est bien sur le long de la cartonnette. OK.
Voilà, je recommande d'attendre quelques secondes avant de faire ce que je viens de faire parce que souvent, ça déplace votre bande. Mais il faut le tourner de l'autre côté et les presser. Ensuite, ici, alors on fait encore le même biseau. Là, on va l'amener juste au bord où on peut dépasser un tout petit peu, comme juste pour dire qu'on voit qu'il dépasse un petit peu, même pas un millimètre. Puis on va mesurer la même chose de l'autre côté, tout juste qu'il dépasse un peu. Alors ça, c'est ce qui dépasse, on va l'enlever plus tard. Mais si on a un petit peu plus, ça nous assure qu'on ne manquera pas de longueur. Parce que si vous faites trop juste, puis il vous manque de la longueur, on va voir la cartonnette. Bon, on fait tout ça pour rien, parce que finalement, la cartonnette, on la voit. Alors, je vais installer ici ma bande. Tout juste dépasser, juste pour dire que je sais qu'il est un petit peu plus long. Même chose ici. Parfait. Alors, je fais le long ici. Alors, je vais presser ici pour aider un petit peu à immobiliser. Vous laissez un petit peu se coller avant de tourner. Ceci. Alors, vous faites ça pour une cartonnette et la même chose, mais en miroir pour l'autre cartonnette. Si jamais vous avez fait la même côté, il n'y a pas de problème. Juste à changer votre flèche pour la mettre de l'autre côté. Parfait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout rabattre. Bien là, on va commencer par placer notre cartonnette du centre, la tranche. Alors moi, j'ai décidé que mon tissu serait du jute. OK. Alors du jute, c'est quand même une épaisseur moyenne de tissu. Ensuite, j'ai de la cartonnette 1 mm, du papier cartonné 216 g que je vais mettre au centre. C'est ce qui compte. C'est ce que vous allez mettre au centre ici qui va déterminer si vous avez du papier 300 g à l'extérieur. Mais vous décidez de mettre du papier 200 g ici. Alors, vous calculez comme étant votre papier 200 g le papier qu'il faut compter pour l'épaisseur que ça va ajouter ici dans les plis. Donc, l'espace qu'on va laisser entre nos cartonnettes. Alors, si jamais vous avez de la cartonnette 2 mm, il faudra ajouter environ 2 mm à la largeur que moi je vais décider ici pour mon projet. Si vous avez du papier cartonné que vous allez mettre au centre qui est plus épais que mon 216 g, bien, peut-être ajouter 1 mm. Si vous avez du tissu qui est très mince, alors vous pouvez enlever 1 mm par rapport à ma mesure à moi. Si vous avez du tissu plus épais, il faudra ajouter un autre millimètre. OK? Alors moi, dans mon cas, je vais aller à 5,5 mm entre mes morceaux de cartonnette. Alors, presque 6. Okay? Parce que si on ne met pas suffisamment d'espace entre nos cartonnettes, ce que ça va faire quand vous allez plier, ça va craquer. Alors, si vous décidez que vous ne mettez pas de tissu, vous mettez du papier derrière, sur la tranche, ici, alors à ce moment-là, vous allez voir que ça craque. Si jamais ça a craqué un peu, puis vous mettez du tissu à l'extérieur, bien, ça va pas déranger parce que vous avez quand même tout l'intérieur qui tient tout ça, puis vous avez le tissu qui tient tout ça, qui est bien collé. Alors, si jamais ça craque, c'est pas trop grave, mais il faut quand même que ça plie. Alors, quand on arrive pour tout rabattre, le tissu, le papier, tout ça, plus le papier qu'on met ici, alors là, à ce moment-là, si on n'a pas suffisamment d'espace, on n'arrivera pas à plier. Alors, on va fermer notre album comme ça, on va le mettre debout comme ça, puis ça va lever en haut. Si vous laissez trop d'espace, bien là, ce que ça va faire quand vous allez ouvrir votre album, comme ça, ça va fermer comme ça, ça va tomber. Parce qu'il y a trop d'espace entre les deux, il n'y a rien qui résiste. Alors moi, avec mon 5,5 mm, je pense que je vais être correct parce que j'ai quand même du tissu assez épais, puis mon papier, ma cartonnette, tout ça, je crois que ça serait pas mal la bonne chose à avoir. 6, ça serait peut-être un peu trop. Puis 5, bien j'ai peur que ce soit pas assez. Alors je vais vraiment aller à 5,5. Alors, j'ai mis de la colle sur ma cartonnette, sur mon papier cartonné, ma bande, puis je vais aller mettre 5,5. Alors, ça vaut la peine de prendre votre règle mesurée. Ici, j'ai 5, je vais ajouter un petit 0,5, comme ça. Puis, pour que vous soyez égal, alors la cartonnette égale ici. Alors, moi, je ne l'ai pas dit, ma cartonnette, elle mesure 13 cm ou 5 pouces et 1/8 pour le dos de la tranche. Alors, c'est important que tous vos morceaux soient bien égaux, sinon vous n'arriverez pas à placer correctement vos morceaux, pour que ça soit tout égal. Si jamais vous avez une toute petite différence, alors mettez le pas droit ici, sur un côté, et puis avoir la différence de l'autre côté. Essayez de séparer en deux la différence. Comme moi, j'ai environ un demi, un quart de millimètre de différence entre les deux cartonnettes. Alors, j'ai tout juste mis un tout petit peu plus bas ici, puis un tout petit peu plus haut ici. Juste à peine. Puis d'ailleurs, j'ai probablement même pas cette différence-là, parce que ce sont des cartonnettes qui sont pleines de longueur.
Alors, j'ai pas de. C'est juste que c'est deux compagnies différentes. Donc, ça risque d'être pas tout à fait la même chose. Alors, voilà, j'ai mis mes papiers cartonnés ici, bien collés. Et puis, je fais la même chose. Si jamais vous décidez que vous voulez mettre l'extérieur de votre dos ou de votre tranche en papier, alors c'est important que le papier que vous allez rabattre, alors lui ici doit dépasser la moitié et lui ici doit arriver à la moitié de votre tranche pour que vous ayez vraiment, parce qu'on va le voir le joint, alors il faudrait qu'il arrive au centre pour que ça soit plus joli quand vous regardez l'extérieur. Moi ici, je vois que ça croise un peu. Alors, vu que je couvre en tissu, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un petit peu sur un des deux côtés ici. Même chose ici, pour que ça se touche sans se croiser. Parce que quand ça se croise, surtout si vous avez du papier cartonné plus épais, ce que ça fait, c'est que ça va faire une bosse. Puis on va la sentir au travers du tissu. Alors là, je vais mettre ma colle ici encore, sur les deux morceaux ici. Puis, je vais laisser encore la même mesure que je m'étais donnée entre ces deux cartonnettes ici pour celle-ci aussi. Alors j'ai 5,5 mm. Alors ici, je me trouve à avoir 5. Un petit peu plus, puis je vais être correct. Comme ça. Ici, j'ai 5,5. Alors entre la ligne de 5 et de 6 mm, ça va vous donner 5,5. J'enlève l'excédent ici. Il ne faut pas trop bouger, hein. Alors, vous pressez comme ça. Et ici, ça rencontre un petit peu. Alors, je vais en enlever un petit peu encore. Comme ça. Alors là, on va aller presser ça de l'autre côté. Je vais enlever mon petit morceau ici qui empiète. Je ne veux vraiment pas empiéter. Avant, je faisais empiéter, mais je trouve que c'est beaucoup mieux quand on n'empiète pas. Alors, une fois que ça c'est fait, ensuite, vous allez prendre votre plioir et puis vous allez faire le tour de vos cartonnettes comme ceci. Alors, on l'avait fait avec les doigts pour s'assurer qu'on était bien le long, mais les doigts sont ronds, tout ça. Alors, pour plus de précision, on va faire le tour comme ça avec notre plioir. Alors, quand vous arrivez dans les coins, il faut presser, là, mais il faut quand vous arrivez dans les coins, essayez de ne pas trop presser ou de vous immobiliser ici, parce que ce que ça fait, c'est que si pressez trop fort, faites ça, ça risque de déchirer le bord ici. Ça m'est déjà arrivé. Tous les petits conseils que je vous donne, ce sont des expériences que j'ai vécues que je ne recommande pas. Okay. Alors, faites tout le tour comme ceci. Assurez que ce soit bien droit. Alors là, vous avez bien défini le premier angle de 90 degrés de vos cartonnettes. Ensuite, on va rabattre tout le tour. Alors là, pour rabattre, on met de la colle sur l'intérieur ici. Vous pouvez faire les plis avant, mettre la colle comme vous voulez. Ensuite, on va faire un premier pli sommaire. Alors, on tient ça ici. On fait juste presser le long de la cartonnette pour commencer à faire le pli, le deuxième pli de 90 degrés, parce qu'en ayant une épaisseur, on a deux fois 90 degrés à couvrir. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, bien là, on va presser vers ici, vers le haut et l'extérieur, vers le haut et l'extérieur, pour éviter qu'il y ait des poches qui s'accumulent ici et ici. Alors, vérifiez avant que ça soit tout stabilisé, voir si, quand vous faites ça ici, s'il n'y a pas de pli qui se forme sur le côté. S'il y a un petit pli qui se forme, c'est que vous avez une poche. Alors, il faudrait décoller et aller le replacer. Alors, il faut faire ça assez rapidement pour pas que vous trouviez avoir des poches. Parce qu'on les voit une fois que c'est... Regardez si ça a déchiré un tout petit peu. Ah non, c'est pas ça. C'est mon cartonnet. Mon papier cartonné qui dépasse de l'autre côté. J'étais surprise parce qu'habituellement, j'ai pas de problème que mon papier déchire. Alors, craque non plus. Alors, je mets de la colle partout, comme ceci. Alors, là, j'ai déjà fait mon pli, alors je vais aller presser. Je le tiens bien au centre, puis je vais presser vers l'extérieur. Soit comme ça, ou comme ceci. Comme ça. Vous pressez vers le haut pour qu'il n'y ait pas d'accumulation de poche. Ensuite, on presse ça bien. Faites tout le tour comme ça. Je vais en faire un deuxième. Ensuite, on va faire le centre. Je vais vous montrer. Puis ensuite, bien, je vais continuer la partie B aujourd'hui. Vous allez la voir tout de suite après cette vidéo-ci. Je continue tout de suite la suite. Alors, faire ça comme ceci. Ici. Ici. Pas de poche. Parfait. Je vais tout presser ça.
Donc, une fois que vous avez fait tout le tour, ensuite, du côté extérieur, on va se trouver à prendre des bandes un peu plus larges. Alors, j'ai des bandes de 2 pouces ou 5 cm. Puis, j'ai fait une ligne de pliure au centre, 1 pouce, 2,5 cm, comme ça. Alors, vous pliez. Puis, là, on va... Alors, moi, je vais enlever l'épaisseur. Je vais mettre tout juste du papier ici au papier ici. Mais si vous avez si vous couvrez votre tranche en papier à l'extérieur, vous rendez de 1 mm ici à 1 mm ici. Alors, 2 mm moins haut que votre couverture. Alors là, on met de la colle partout. C'est pas nécessaire d'en mettre dans le centre parce qu'on a un trou là de toute façon. On en met ici. Puis, là, vous l'installez idéalement le pli à peu près au centre de votre espace que vous avez là. Puis, on coupe comme ceci. Okay. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, on va installer notre tissu. Alors, faites tout le contour. Faites les deux côtés. Ensuite, on installe le tissu. Alors, le tissu, moi, je vais le faire plus tard parce que je fasse tout l'autre côté. Mais je vous en parle tout de suite. Alors, ayez un tissu qui va avoir au moins 1,5 cm. Allez à 2, c'est encore mieux. Puis, quitte à en enlever un petit peu. Alors, de chaque côté. Alors, en haut et en bas de plus. Donc, on va le couper. Parce que moi, j'avais un tissu que j'avais récupéré. C'était une chute. Alors, je vais couper l'excédent. Et pour ce qui est de la largeur, alors minimum par rapport au pli que vous allez avoir ici. Okay? Ou si vous tournez de l'autre côté, par rapport aux espaces vides que vous avez ici. Okay? Alors, minimum 1 cm de plus chaque côté. Parce que là, ensuite, on va arriver avec le papier par-dessus. Et puis, on doit couvrir avec des garnitures, tout ça. Alors, il faut qu'on ait... un peu de tissu ici. Vous pouvez avoir plus si vous voulez, mais plus que vous en mettez, moins qu'il reste d'espace ici pour votre papier design sur votre couvert. Alors, c'est correct, c'est à votre choix. Alors, moi, j'ai environ 1,5 cm chaque côté. C'est parfait. Je vais laisser ça comme ça. Ici, je vais l'égaliser. Alors, je vais tout terminer ça. Je vous reviens. On va coller notre tissu et puis préparer vos papiers pour mettre sur le devant et l'arrière. Alors, le devant, on va mettre qu'une seule bande ici parce que vous allez voir, bien, vous avez vu au dévoilement le dessus assez particulier ici de la couverture. Et l'arrière, ayez un papier, soit qui est plus petit, vous ajoutez des incrustations, ou un papier qui fait toute la grandeur de votre couverture ici, jusqu'au tissu qu'on va avoir quand on va réinstaller ici. Alors, ayez un peu plus grand, puis on ajustera après. Ayez des garnitures. Moi, je mets des garnitures pour lier le papier au tissu, pour qu'on le joigne les deux, qu'on puisse le cacher. Et puis, des rubans aussi. Si vous voulez mettre des rubans, ici, moi, je vais mettre un ruban. À Noël, il faut mettre des rubans. Alors, je vais mettre un ruban rouge, quelque chose comme ça, sur la couverture. Alors, venez avec tout ça tout à l'heure. Et puis, on continue pour terminer la couverture. Bien, la base de la couverture. Pour ce qui est du dessus, on va terminer ça à la toute fin de l'album, quand tout est terminé, avec les lumières, tout ça, à la toute fin. Alors, je vous reviens avec ça tout à l'heure, tout de suite, à la demi-heure. À tantôt. Merci.